Bonjour à toutes et à tous. Bonjour également à ceux qui nous ont rejoints en ligne pour cette 9e édition de Big et pour cette table ronde éco. Donc merci d'être avec nous pour parler de cette thématique de comment construire l'usine verte de demain. Donc moi, je m'appelle Malek Fiouane, je fais partie de la direction de l'accompagnement de BPI France en charge du plan Startup PME industriel et conseiller industrie chez BPI France Investissement. Donc moi, j'aurai simplement le plaisir d'être avec vous pour animer cet échange et pour amener quelques questions de terrain sur la table avec, avec nos camarades. Donc juste avant de présenter nos invités, un tout petit mot de contexte pour faire le lien avec la grande thématique de Big cette année qui est la fierté. Et en fait, le contexte, il est quand même incroyable. C'est le contexte d'une révolution industrielle qui est scientifique, qui est technologique, qui est un peu drivée par les sciences de l'information et les technologies de l'information, qui nous connectent tous et qui font qu'aujourd'hui, on voit des choses qui sont absolument incroyables. La France, elle est très avancée. On n'a absolument pas à rougir. On a vraiment de quoi être fier de ce qui est en train de se faire. Et on a pu le voir hier à la Deep Tech Voix Big, l'événement de Paul-François Fournier, où on a vu énormément d'entreprises innovantes. Mais on le voit tous les jours, nous, y compris dans nos accélérateurs Néo, avec vraiment des pépites industrielles. Alors, on a l'écosystème de PME, d'ETI qui est en train d'innover d'une façon incroyable. Et puis, on a évidemment aussi une nouvelle variété d'entreprises qui sont des start-up industrielles et qui, je vous promets, commencent à nous faire vraiment, vraiment rêver. Et il y a un très bel avenir qui va se dessiner. Donc, très, très grande fierté là-dessus. Ensuite, ça revient croiser d'autres éléments qui sont, eux, plutôt entre le champ des opportunités et le champ des contraintes. Et là, il y a le sujet de la réindustrialisation, donc le champ de contraintes, on va dire, économique global, et puis ça rejoint le géopolitique. Donc c'est très large, on ne va pas étayer, mais on est dans un cadre où on a besoin de réindustrialiser. Et puis le défi, qui est le défi du siècle, si ce n'est du millénaire, qui est le climat. Et en fait, et c'est là que ça se connecte vraiment, une immense fierté, ce sera de réussir à mettre la fabrication, la technologie au service de l'industrie, et c'est ce qui nous amène, enfin de l'industrie verte, pardon, au service du climat, et c'est ce qui nous amène à notre sujet industrie verte. Alors pour en parler, on a le plaisir et l'honneur de recevoir quatre personnes qui ont un point commun, c'est de s'être tous et toutes retroussé les manches au service d'une industrie responsable, chacun à sa façon. Et donc, on a avec nous Guillaume Casbarian, monsieur le député, bonjour. Bonjour Guillaume. Donc, président de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, député de l'Eure-et-Loire. Et pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui, vous avez porté le projet de loi sur l'industrie verte. Donc, on va en parler tout à l'heure. Merci d'être avec nous. Virginie Saxe, qui est dirigeante de la société Compagnium, société de conseil, qui accompagne les entreprises industrielles dans les territoires, donc sur des thématiques qui peuvent être de la stratégie d'implantation, et vraiment avec une double compétence industrie-territoire, issue de l'industrie métallurgique et aéronautique, je crois, avec du coup un passé de direction générale et de direction aussi en administration, en formation territoriale, c'est bien ça? Exactement, bonjour à tous. Et j'ai noté aussi auteur d'un livre, entre autres, sur la relation entre les entreprises et les élus, mais pas que, également sur l'industrie verte. Merci. Exactement. On a avec nous également Clément Benassi. Clément, qui est le dirigeant cofondateur d'une start-up industrielle qui s'appelle Néolith. J'en dis pas plus tout de suite parce qu'on va en parler juste tout à l'heure, mais une start-up industrielle qui va nous aider à décarboner pour le coup vraiment massivement. Bonjour à tous. Et puis donc Anaïs Voigilis, qu'on ne présente plus. Alors je vais quand même dire un petit mot de présentation pour intervenante régulièrement dans l'industrie sur les thématiques industrielles, chercheuse à l'IAE de Poitiers. Et puis auteur de publications. Moi j'en avais noté sur les politiques industrielles et sur la réindustrialisation. Avec notre cher ami Olivier Luanzi, qu'on salue au passage. Donc ça s'appelle « Vers la renaissance industrielle,
et c'est aux éditions Marivet. Bonjour Anaïs. Bonjour à tous. Alors, du coup, on va aborder ce sujet d'industrie d'une façon très concrète. Donc il peut y avoir une tentation, on a un élu avec nous, de rentrer sur des... On a un réflexe un peu en France, c'est dès qu'on voit un élu, il se rend accessible, il se met, comme on dit, à portée de baffe. Alors on a une tentation qui est de poser des questions qui vont être orientées politiques. Et nous, ici, c'est un événement business. Donc on est absolument transpartisan. La spécificité vraiment avec Guillaume, c'est qu'on arrive sur un moment où les dirigeants d'entreprise, et j'en vois là dans les gradins, vont avoir énormément d'informations qui arrivent et des évolutions de dispositifs. Donc en fait, les questions qu'on va poser, on va le faire comme on le fait quand on est dans le conseil et qu'on accompagne des dirigeants d'entreprise sur le terrain, pour que chacun reparte d'ici avec des clés pratico-pratiques. Donc tout à l'heure, quand on sera aux questions-réponses, Thomas Cazor qui est là passera le micro. Donc vous pouvez aussi en poser en ligne. On va être sur des questions très concrètes, courtes et pratiques, et on va essayer de répondre à un maximum de choses. Vous avez ici un QR code que vous pouvez flasher, parce qu'au fond, ça doit être assez difficile de nous entendre. Donc vous pouvez vous connecter avec les oreillettes, et donc c'est retransmis. Et pour ceux qui n'ont pas d'oreillettes, il y en a encore, on vous en a mis à disposition juste derrière la régie. Voilà, donc on va rendre ça interactif sur les 10 dernières minutes. Et donc, je vais me tourner d'abord vers vous, Guillaume. Donc, avant de rentrer dans le contenu du projet de loi, est-ce qu'on peut revenir au pourquoi ? Pourquoi cette loi et pourquoi on s'est mis à travailler, quand on est Guillaume Casbarian, sur l'industrie verte ? Bien, bonjour à toutes et à tous et encore une fois, merci de votre accueil et de votre invitation. Alors, pourquoi est-ce qu'on a travaillé sur ce projet de loi industrie verte ? Parce qu'on a envie de développer l'industrie dans notre pays et on a fait le constat depuis 2017, que pendant des années, pendant des décennies, on a eu une vague de désindustrialisation dans notre pays, avec la part de l'industrie qui a vraiment chuté dans notre PIB, des fermetures d'usines, des pertes d'emplois, et qu'il fallait impérativement réinverser en fait cette tendance. Pour réinverser cette tendance, il y a eu plein de politiques qui ont été menées depuis une bonne dizaine d'années, avec de la compétitivité, de l'attractivité, pour faire revenir des investisseurs, recréer des usines, recréer des emplois dans le territoire, et redévelopper l'industrie. Pour deux raisons en réalité, au moins. La première, qui est une question de souveraineté et de maîtrise de nos technologies et d'indépendance de nos savoir-faire. Donc c'est un vrai sujet qui anime notre fierté, puisque c'est le thème d'ailleurs de cette journée. Et puis un deuxième axe qui est celui de l'environnement, puisque vous le savez, on a la chance en France de pouvoir bénéficier d'une électricité qui est parmi les plus décarbonées d'Europe, notamment grâce au nucléaire qui est la clé de voûte de notre stratégie énergétique. Et donc quand on produit en France, quand on utilise de l'électricité pour produire en France, on le fait de façon plus décarbonée que dans d'autres pays où nous n'avons pas accès à cette énergie, où ils n'ont pas d'ailleurs accès à cette énergie décarbonée. Donc pour des questions de souveraineté, pour des questions d'environnement, mais aussi pour des questions, je vous le disais tout à l'heure, d'emploi dans les territoires, nous avons voulu réamorcer la pompe. Au-delà de ce qui avait été fait au premier quinquennat, on s'est dit qu'il y avait un enjeu de faire de la France la première nation industrielle verte en Europe. C'est l'ambition qu'on s'est fixée, c'est l'objectif qu'on s'est fixé. Et on a trois leviers sur lesquels on s'est penché. Le premier, qui est autour de la simplification administrative pour faciliter l'implantation des industries vertes dans le territoire, donc accélérer les procédures environnementales, archéologiques, urbanistiques, pour faciliter les choses. Quand un industriel dit « j'ai un projet d'intérêt national vert qui s'implante sur le territoire, on veut faciliter les choses ». Un deuxième axe qui est autour de la commande publique, parce qu'il n'est plus vraiment acceptable aujourd'hui qu'on ait des collectivités ou l'État qui favorisent des produits qui sont produits très très loin, alors qu'on pourrait les produire en France avec, encore une fois, beaucoup de décarbonation. Donc mettre un coup de fouet à la commande publique pour favoriser les produits qui sont fabriqués en Europe et notamment en France pour décarboner. Et puis un troisième volet qui est le financement, qui est d'essayer de mobiliser l'épargne des Français, de mobiliser les ressources et le capital disponibles pour accélérer cette implantation d'industrie verte. C'est un peu ça l'objectif du projet de loi. Il a été travaillé pendant les 6 premiers mois de l'année 2023. Il a donné lieu donc à un premier examen au Sénat, à un premier examen à l'Assemblée nationale. Et là, on est en pleine négo avec nos collègues sénateurs pour réussir à trouver un accord sur le sujet. Donc en fait, le projet de loi industrie verte, c'est un peu une pierre de plus dans la stratégie industrielle de réindustrialisation du territoire qu'on essaie de mettre en œuvre depuis 6-7 ans et que nous essayons de déployer pour
pour accélérer l'industrialisation verte sur le territoire. On commence à avoir de beaux résultats, maintenant il faut amplifier le mouvement et le projet de loi est une des pierres qui permet de l'accélérer. Merci Guillaume. Donc on va re-rentrer juste après sur le contenu de la loi. Une petite question avant de refaire le tour avec cette même question pour nos quatre intervenants. Au cours de toutes les discussions, les échanges, les rencontres avec des industriels, est-ce qu'il y a quand même une vision qui s'est dégagée de ce que c'est une industrie verte ou une usine verte ? Alors ça, c'est un débat qui nous a vraiment animés. Il y a deux philosophies. Certains essayent absolument de vouloir faire la liste à la Prévert de tout ce qui est une industrie verte. Le nucléaire, les renouvelables, les batteries, l'hydrogène. On met un certain nombre d'industries et de secteurs à l'intérieur. Bon, le problème de faire une liste à la Prévert, c'est que vous avez de bonnes chances de vous planter, en réalité, d'oublier un certain nombre de secteurs qui, demain, seront probablement utiles à la décarbonation, et à l'inverse, de faire peut-être une erreur persistante sur certains secteurs qui, demain, ne seront pas si importants que ça à la décarbonation. Moi, j'ai une vision qui est pas celle-là. C'est-à-dire, j'ai tenu à ce que dans le projet de loi, on n'écrive pas dans le marbre de la loi la liste à la Prévert des secteurs qui sont verts, au risque de devoir religiférer dans quelques temps en se disant on a fait une bêtise et on doit religiférer sur le sujet. Moi, je considère que rien que le fait de faire venir des industries sur le territoire est déjà une démarche de décarbonation. Produire chez nous, avec notre électricité et notre mix électrique, en limitant d'ailleurs les transports et l'empreinte carbone du transport, permet déjà un effort de décarbonation massif par rapport au fait de produire loin dans des pays qui n'ont pas le nucléaire, qui n'ont pas de renouvelables, qui sont sur du charbon ou sur du gaz et qui n'ont pas le même mix. Et donc cet effort-là de réindustrialisation va dans le sens de la décarbonation. Et puis au sein de cet effort de réindustrialisation, oui, il y a des secteurs qui sont stratégiques, mais il faut se donner, à mon avis, beaucoup de flexibilité pour déterminer quels sont ces secteurs stratégiques. Il faut laisser faire aussi d'ailleurs les acteurs industriels qui sont probablement les plus à même de déterminer ce qui est utile à la décarbonation, plutôt que ce soit le politique qui arbitrairement fixe une liste dont on connaît les limites. Complètement. Et alors dans l'industrie, dans les métiers du conseil ou ceux qui travaillent directement dans les usines, ils voient vraiment les choses se transformer. Donc ça a été en effet une chose qui va être très appréciable et salutaire, parce que vraiment il y a des entreprises qui sont dans des secteurs, on pensait pas les voir verdir et c'est en train de se faire. Merci pour cette réponse. Et du coup, Virginie, une réaction sur l'usine verte. Et du coup, on a un lien là, avec un prisme aussi territorial, la circularité, l'industrie verte, l'usine verte. Oui, merci. Alors, merci pour cette opportunité d'intervention. Alors, je veux d'abord rebondir sur la définition de l'industrie verte. Et en effet, je pense qu'il faut, il faut pas rentrer dans une liste à la Prévert de secteurs, parce que l'industrie verte, c'est aussi un ensemble de pratiques. La circularité, par exemple. La circularité, c'est à l'évidence vert, comme on peut l'entendre, dans la mesure où on va aller chercher des matières premières qui sont les plus locales possibles, des coproduits, l'utilisation de déchets dans ces process de production, les relocalisations, bien évidemment, mais c'est aussi un chemin, l'industrie verte, c'est-à-dire que des entreprises industrielles qui n'avaient pas au cœur de leur stratégie la décarbonation hier, l'ont aujourd'hui, et donc elles vont vers ce chemin de l'industrie verte. Et donc je pense que c'est très bien de ne pas avoir en effet une liste à la Prévert. Alors l'usine verte qui découle naturellement de l'industrie verte, eh bien c'est une fenêtre vers ce qu'on peut voir de cette nouvelle industrie qu'on crée dans les territoires, que ce soit des usines qui se transforment ou des usines qui se créent. Et j'ai souvent l'habitude de la définir par un certain nombre de dimensions pour la matérialiser. Eh bien, l'usine verte, elle est technologique, on l'entend facilement, elle est efficace d'un point de vue environnemental, elle est circulaire. C'est vraiment une pratique qui se retrouve dans la loi industrie verte et qui est extrêmement importante. L'industrie, elle est circulaire aujourd'hui. C'est une usine qui est inclusive, qui va aller chercher des profils qui sont diversifiés. C'est le propre de l'industrie. Elle va regarder la proportion, la part de ses emplois qui sont des employés en reconversion. Elle va aller vers des entreprises à but d'emploi. Donc c'est une entreprise qui est réellement inclusive et qui est ouverte vers les citoyens, vers son territoire, donc qui accueille les citoyens qui veulent la visiter, qui veulent voir les process de production et qui ont envie de participer à cet effort industriel. Merci Virginie. Et c'est intéressant parce qu'on y reviendra tout à l'heure, mais ça nous donne des clés
pour parler des sujets justement attractivité, le lien entre les territoires, l'attractivité, la formation, etc. Ça, on en parle du coup tout à l'heure. Clément, juste avant de parler d'industrie verte, je vais poser la question de façon un tout petit peu différente. Est-ce que tu peux nous dire d'abord ce qu'on fait chez Néolith et nous donner des ordres de grandeur? Parce que j'ai parlé de décarbonation massive, mais ça vaut le coup d'imaginer ça un peu sur la carte de France. Merci Malek et merci pour l'invitation à cette table ronde. Donc nous, on a créé Néolith il y a 4 ans avec du coup une solution: transformer les déchets non recyclables en cailloux pour faire des routes et du béton. Donc en fait, on prend en fait tous les déchets qui partent aujourd'hui en enfouissement et en incinération. Et nous, on a créé du coup la troisième voie, c'est la fossilisation et c'est la transformation de ces déchets en granulats minéraux. Donc, deux intérêts à ça. Le premier intérêt, il est effectivement de mieux valoriser la matière, parce qu'on en fait, du coup de la valorisation matière. Et surtout, le plus gros avantage, il est vraiment sur la décarbonation, vu qu'on va stocker du carbone au sein de nos granulats. Donc, l'ensemble en fait, du procédé est carbone négatif, c'est-à-dire qu'on va émettre moins de carbone qu'on en stocke au sein de nos granulats. Et donc, ensuite, on peut l'appliquer dans la construction, donc en faisant du béton bas carbone, des routes bas carbone, etc. Donc aujourd'hui on est 180, on passe en phase d'industrialisation, donc on existe depuis 4 ans et voilà ce que je peux dire sur Néolith. Donc on vient de dire 180 recrutements en 4 ans et les deux tiers dans les deux dernières années, dans la dernière année. Oui c'est ça, les deux tiers, là l'année dernière à la même date on était 90, donc on a doublé. Et du coup un chiffre effectivement que je voudrais dire aussi, c'est en mettant notre procédé partout en France, on réduirait de 7% les émissions de gaz à effet de serre, toute industrie confondue. Donc en titre de comparaison, c'est plus de 2 fois le trafic aérien. Ok, on parle de 10 millions de tonnes de déchets et de... Alors on parle de 10 millions de tonnes dans un premier temps, parce qu'on est sur les déchets d'activité économique. Mais en fait, le vrai marché, c'est 40 millions de tonnes, parce qu'il y a aussi 30 millions de tonnes de vos déchets, l'ordure ménagère, qui part aujourd'hui en enfouissement, en incinération. Merci Clément. Donc ça élargit le scope de l'industrie verte. Et du coup, Anaïs, alors, même question sur l'industrie verte, mais peut-être avec un prisme un petit peu plus large et potentiellement un lien avec l'international. Alors, déjà, je pense qu'il y a une chose qui est vraiment très importante de préciser, sur laquelle il faut surtout insister, c'est ce qu'a dit Guillaume sur le fait qu'on ne pouvait pas faire de liste, pour la simple et bonne raison que toutes les industries qu'on a sur le territoire, et notamment les industries qui sont les plus émettrices, sont aussi des industries qui sont clés de notre souveraineté. C'est-à-dire quand on parle de réindustrialisation, d'assurer la souveraineté de la France, on ne peut pas le faire sans production d'acier, sans production d'aluminium, sans production de médicaments sur le territoire. Et il se trouve que ce sont les sites qu'on a considérés, qui sont les 50 sites les plus émetteurs de CO2 en France. Et il y a une petite tendance, un glissement dans certains débats, quand on imagine la réindustrialisation, à vouloir mettre au banc ces industries en considérant qu'on doit continuer à les laisser en dehors du territoire, alors que c'est une erreur majeure si on poursuit cet objectif de souveraineté. Et moi, je suis peut-être moins amoureuse du terme industrie verte, parce qu'on met beaucoup de choses derrière industrie verte, derrière finance verte, etc. Mais ce qui est intéressant de regarder derrière ça, c'est se questionner aussi sur la finalité des produits. C'est-à-dire qu'une vraie industrie verte, c'est aussi une industrie qui va interroger le modèle économique des entreprises, qui va se questionner sur la finalité des produits et s'intéresser à savoir si les produits qu'on réalise sur le territoire sont aussi compatibles avec nos objectifs environnementaux. Et donc on pourrait avoir une approche qui est assez stricte, c'est se dire que tous les produits qui ne permettent pas de conquérir à ces objectifs environnementaux, de lutte contre le réchauffement climatique, d'amélioration de conditions de vie, soit on continue à les produire, soit on arrête, soit on revoit la manière dont on finance et on accompagne ces produits. Et ça permettrait aussi de nous focaliser notre attention sur certaines catégories de produits qui sont véritablement vitales. Et la dernière chose, qu'on focalise beaucoup notre attention sur la décarbonation à travers l'industrie verte, et on a besoin de décarboner, c'est une nécessité absolue, mais il y a beaucoup d'autres sujets environnementaux qui sont critiques pour avoir une planète soutenable en 2050. On a la question de l'eau qui est en train d'émerger et qui va sûrement arriver dans pas très longtemps sur le bureau de Guillaume. On a la question de la biodiversité. On a la question d'un certain nombre de pollutions, notamment de pollutions microplastiques. Alors on voit beaucoup de gens qui nous disent qu'il faut sortir des énergies fossiles et qui n'arrivent pas à faire le lien entre énergie fossile égale produits textiles. Donc la majorité de ce qu'on porte, 70% des vêtements sont dérivés de matières pétrosourcées. On en a besoin dans la chimie, pétrochimie. Donc c'est aussi ces réflexions systémiques de se dire
OK, on attaque le sujet du carbone. Comment maintenant on a une vision beaucoup plus large de toutes ces questions environnementales et comment on arrive à l'intégrer dans le modèle économique des entreprises. Et donc ça, c'est une réflexion pour chaque industriel avec des débats qui sont très compliqués. Si je reviens juste sur la question de décarbonation, quand on est dans les 50 sites industriels les plus polluants, qui sont ceux que je connais à peu près bien, le gros des émissions est en scope 1, scope 2. Pour les autres industriels, une grande partie des émissions est en scope 3. Donc aller tracer les émissions, savoir où sont les grands postes d'émissions et ensuite travailler sur les politiques d'achat, ça demande un certain changement et un certain changement dans l'approche, puisqu'on reste encore très centré dans les logiques prix dans les structures d'achat et beaucoup moins sur les logiques environnementales et conséquences environnementales de ces choix. Merci Anaïs. Virginie, je vais revenir à toi au sujet de maintenant sur le côté pratico-pratique de l'implantation d'une usine. En gros, le dirigeant d'entreprise qui, voilà, on est soit une entreprise innovante, soit déjà établie, on a un projet d'implanter une usine dans un territoire, et c'est une partie du métier de compagnon. Avant la loi sur l'industrie verte, est-ce qu'on peut décrire un petit peu le parcours, si ce n'est le parcours du combattant, enfin, tu nous diras, du dirigeant, c'est quoi les quelques étapes clés entre l'intention et la première pierre, et à quels endroits est-ce que jusqu'ici ça coinçait? Alors, tout à fait. Donc, l'industrie, elle se traduit en particulier par des sites de production et donc des usines. Et c'est donc la vitrine de l'industrie aujourd'hui. L'usine verte, on y reviendra, est ancrée sur les territoires et travaille son écosystème territorial, mais de manière historique, les usines sont ancrées dans leur territoire et donc elles composent avec des réalités territoriales. Avant la loi industrie verte, mais c'est toujours le cas aujourd'hui, il y a un parcours classique de l'implantation d'une usine. Un dirigeant, un entrepreneur se dit, bon, bah, très bien, j'ai besoin de grandir, donc j'ai besoin d'un nouveau site ou j'ai besoin de réunir des sites pour être plus efficace. Et donc, je vais établir une rapide, en général trop rapide, stratégie d'implantation. Qui va partir de mes besoins simplement en production. Et donc, je vais me dire, bon, ben voilà, je dois m'étendre ou je dois ouvrir un nouveau site. Je vais ensuite assez rapidement arriver dans une recherche de sites, de fonciers sur un territoire. Je dis assez rapidement parce que je pense qu'aujourd'hui, on se pose la question de la recherche du bon territoire pour sa propre activité de manière plus prégnante. De manière plus attentive que ce qui a été fait par le passé. Donc on va rechercher un site. À ce moment-là, on a en général entre 10 ou 15 interlocuteurs directs pour aller trouver le bon territoire ou le bon site. Et à l'échelle de l'entrepreneur ou du dirigeant, ça devient complexe. Alors soit on nomme une personne qui en est en charge, comme ça pourra être le cas demain chez Néolith, mais ça devient chronophage. Une fois qu'on a en effet trouvé le territoire, eh bien, on passe dans une étape de procédure administrative, des enquêtes publiques, des autorisations environnementales, qui, avant la loi industrie verte, se faisaient de manière nécessairement séquentielle, et donc avec des délais intercalaires entre les services de l'État qui pouvaient prendre du temps. Et puis ensuite, on a le droit de poser la première pierre. Parfait. Et ça n'est pas terminé, puisqu'ensuite, on doit en effet opérer sur le territoire. Compliqué. Bon, parfait. Donc la loi n'adresse pas tout, mais ça nous fait une excellente transition pour se tourner vers Guillaume et du coup poser une question très simple. C'est, il y a quoi dans la loi industrie verte? Alors j'ai vu un très long texte et j'ai vu un résumé. Alors on peut commencer par les axes principaux et après on peut détailler un tout petit peu justement la simplification administrative en particulier. Comme je vous le disais tout à l'heure, dans les axes, il y a la question de la simplification administrative, il y a la question de la commande publique et il y a la question du financement. Sur la simplification administrative, qui est un peu le gros premier volet, il y a la suite de ce que vient d'expliquer Virginie. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a trouvé, on a fait sa stratégie, on a trouvé un terrain, on va voir les élus locaux, la préfecture, les DREAL, les DDT, on commence le tunnel administratif, et là on fait des études environnementales, on fait des enquêtes publiques, on nous demande parfois de faire des études sur la faune, la flore, des études 4 saisons, des études sur les chauves-souris, ça peut arriver. Des études aussi archéologiques, si il y a par exemple des villas gallo-romaines qui sont enfouies. Donc on prend toutes les étapes, et les unes après les autres, bah, on franchit les obstacles, et on constate qu'il n'y a pas de chauves-souris, qu'il n'y a pas de villas gallo-romaines, qu'il n'y a pas de problème particulier, et à la fin on obtient le précieux sésame de l'administration, qui dit oui, c'est bon, vous avez conformé absolument tout. Les élus locaux donnent une autorisation de construire, et là vous avez la possibilité de
commencer, mettre la première pierre et d'y aller. Je la fais simple, mais voilà, c'est à peu près ça aujourd'hui. Là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut parallèle. Alors, on a déjà fait beaucoup de choses de simplification pour accélérer les délais. C'était dans la loi ASAP du premier quinquennat. Là, l'innovation de cette loi, là, ce qu'on va faire de plus, c'est qu'on va paralléliser la totalité des procédures, ce qui vous permettra de commencer beaucoup de choses en même temps. Plutôt que, un petit peu comme j'allais dire dans Astérix, les 12 travaux d'Astérix, vous savez, quand on va d'un bureau à l'autre dans cette maison un peu de fou, bon, là, on n'aura pas besoin d'aller d'un bureau à l'autre, on va pouvoir commencer dans la totalité des bureaux, la totalité des procédures. Ça nous fait gagner du temps et ça permet d'accélérer les choses pour obtenir, à la fin des fins, le premier sésame. Donc, c'est un peu ça l'objectif, pour la faire très courte, de la simplification. Après, sur la commande publique, c'est le fait d'encourager les collectivités et l'État à acheter européen, parce que vous savez qu'on est dans l'Union européenne, donc on ne peut pas faire des règles qui sont purement franco-françaises, mais ce qui favorisera le fabriqué en France dans la commande publique. Et puis sur le financement, on est en train de mettre en place des mécanismes qui encouragent les Français à tourner vers leur épargne, vers les projets d'industrie verte, notamment avec un plan d'épargne vert qui sera développé, y compris pour les jeunes, et qui permettra de mobiliser un peu plus le capital des Français pour encourager l'industrie verte. Je l'ai fait vraiment grosse maille, mais c'est énormément d'articles à l'intérieur sur lesquels on est en train, comme je vous le disais tout à l'heure, de négocier avec les sénateurs et d'essayer de trouver un atterrissage pour s'entendre ensemble. Tout ce qui va dans le sens de la simplification, on est en train de l'expérimenter, on est en train de le lancer. On veut que ça aille plus vite et on veut être parmi les pays d'Europe qui arrivent le plus rapidement possible à le faire. Je dirais juste que c'est, en terminant, que c'est encourageant parce que j'étais avec certains collègues au Bundestag il y a 10 jours. J'ai et je trouve ça. Que nos collègues allemands nous ont dit « Mais comment vous faites en France pour simplifier autant les choses par rapport à la bureaucratie allemande ?» Alors moi, j'étais un peu surpris. J'ai dit « Vous êtes sûr qu'on est dans le benchmark les meilleurs en termes de simplicité ?» Et ils m'ont regardé et ils m'ont dit « Mais oui, ne pensez pas. Chez nous aussi, on a de vrais problèmes de complexité administrative. On a tendance à se flageller en France en pensant que tout est plus compliqué que chez les autres. Bah, » il se trouve que nos amis allemands avaient plutôt l'air de dire qu'on était sur la bonne voie de la simplification et qu'eux-mêmes sont en cours de travail sur les mesures de simplification. Et ils essayaient de savoir un petit peu comment on s'y prenait pour y arriver. Donc on essaye de donner les bons tuyaux entre parlementaires pour essayer d'accélérer. Mais il y a bien un mouvement européen où vous voyez que la rapidité est un critère. Ça fait partie des sujets que les industriels et les investisseurs regardent. Et donc on a besoin d'être à la page et d'être suffisamment rapide pour ne pas perdre de projet et pour ne pas qu'il y ait un investisseur qui se dise « Pardon, mais je ne rentre pas dans le tunnel administratif si vous n'êtes pas capable de m'en sortir rapidement. » Donc c'est un peu ça l'objectif de la simplification. Voilà. Et le raisonnement était très industriel, au fond, de paralléliser ce qu'on fait quand on a des plannings industriels. Parfait. Virginie, une réaction justement sur cette réduction des délais. Et moi, dans ce que j'entends et dans ce qui va concerner les dirigeants d'entreprise, on s'attaque vraiment à l'administratif. Et après, il y aura toute une partie, au final, qui reste dans le privé, en fait, dans les arrivées des machines dans les usines, les fournisseurs, etc., etc. Et ça, donc le politique ne peut pas tout. Une réaction quand même sur les plannings, est-ce que c'est crédible ? Alors, déjà, je pense que c'est très bien d'avoir cette ambition. Il faut être ambitieux si on veut réindustrialiser, si on veut le faire vite, parce que c'est quand même une course. Donc, bien sûr qu'on a raison de se fixer des objectifs en termes de réduction des délais d'implantation, concrètement les diviser par deux. Je pense qu'il y a des dispositions prévues par la loi, donc la parallélisation des demandes, qui sont extrêmement importantes. Il n'y a pas que ça. Dans la loi et ce qui l'accompagne, il y a aussi des personnes, des sous-préfets au niveau des départements, sous-préfets à l'implantation industrielle, qui sont chargés de faciliter le lien entre les services de l'État. C'est bien et c'est nécessaire. Après, ce qu'il faut aussi se dire, c'est que cette réduction des délais d'implantation, si on veut aller vite, elle ne peut pas rester uniquement dans le champ administratif. D'abord, elle s'accompagne, même pour le champ administratif, parce que ces sous-préfets, ils ont plein de casquettes et donc il faut les aider à être aussi très efficaces sur l'implantation. Et puis, il faut que ça arrive en effet dans les mains du chef d'entreprise pour qu'il prenne la main sur le sujet de l'implantation. Il y a des ouvertures, des simplifications, même chose pour la commande publique d'ailleurs. Il y a des ouvertures, il faut s'en saisir. Et comment on s'en saisit ? Eh bien, on se dit, ok, très bien, on peut paralléliser des demandes, donc on va le faire, mais surtout, il faut que j'arrive à comprendre dans le territoire qui fait quoi, à qui je m'adresse rapidement, quelle est la bonne porte à laquelle je dois taper maintenant pour ma demande, pour cette autorisation, pour une recherche de site, etc. Donc il faut arriver à comprendre et décoder le territoire pour pouvoir se saisir des nouvelles dispositions. Ça répond en partie à la question, au sens où, quand je dis est-ce que c'est crédible, c'est au sens, est-ce que quand on va réduire les délais administratifs, est-ce qu'on ne va pas se rendre compte qu'en fait le retard
que peuvent prendre les entreprises, bah, au final, on est passé à 9 mois, mais eux, ils descendent pas à 9 mois, ils sont à 12-13, parce qu'en fait, il y avait d'autres contraintes qu'on n'avait pas en tête. Exactement, exactement. Donc, il y a la réduction des délais sur l'administratif, qui est une partie du parcours d'implantation, mais qui n'inclut pas nécessairement la recherche de sites ou l'implantation effective après le fameux sésame des autorisations. Donc, pour la recherche de sites, ce que les entrepreneurs doivent faire, c'est établir une stratégie rapidement et le plus tôt possible, en lien avec leurs objectifs commerciaux, financiers, mais aussi en lien avec leur stratégie opérationnelle. Est-ce que je fais dans mon usine, est-ce que je fais faire? Quels sont les différents scénarios d'implantation? Est-ce que j'ai un site qui nécessite une emprise foncière de 3000 m2? Est-ce qu'en fait j'ai plusieurs plus petits sites ailleurs dans le territoire? Poser le plus tôt possible cette stratégie. Aller ensuite chercher les bons territoires, les bons sites, en tapant aux bonnes portes, donc en faisant une cartographie des acteurs qui comptent. Et une fois qu'on a en effet trouvé le bon territoire, qu'on passe à l'étape administrative qui s'est réduite, à ce moment-là, on peut s'implanter. Mais si on n'arrive pas à être efficace dans la première partie de cette implantation, donc stratégie et recherche de sites en particulier, on ne sera absolument pas à 9 mois. Alors, on aura un peu réduit les délais administratifs, mais en fait, l'implantation, elle restera longue en France. Donc, on a besoin de raccourcir toutes les étapes du parcours d'implantation. Et les entrepreneurs ont la main sur les étapes avant et après l'administratif. Merci Virginie. Le lien se fait assez mécaniquement avec Clément sur Néolithe. Est-ce que cette question de délai, sur la partie administrative, vu que nous, on a chez Néolithe vraiment le projet d'installer beaucoup de sites, est-ce que cette partie délai administrative, elle est menante? Et en gros, notre réduction de carbone, est-ce qu'elle se retarde justement d'autant? Ou bien est-ce qu'au final, le chemin critique, il est fait d'autres choses? Non, je dirais que le chemin critique, il est avant tout fait par ces délais administratifs. Nous, on le voit à l'échelle notamment d'une start-up aussi, où il faut aller vite. Et donc, la principale contrainte par rapport à aller vite, c'est justement ce retard administratif, notamment ce qui concerne les ICPE, donc les installations classées pour l'environnement, où là, on peut sur des délais qui peuvent dépasser 18 mois avant de mettre la première pierre. Donc, ça veut dire qu'on est très loin des permis de construire juste ça. Et en fait, ça répond, je vous remercie d'ailleurs pour votre travail, Guillaume, sur ça, parce que ça répond tout à fait à notre besoin, nous, en tant qu'industriel. Il y a effectivement ce délai administratif. Il y a aussi le délai administratif que vous ne pouvez pas contrôler, qui est l'avis, par exemple, de la population quand on a une consultation publique. Notamment, ça, c'est plus une image générale quand on parle d'industrie verte en France. Il y a quand même toujours un côté sur l'industrie not in my backyard, de dire oui, c'est bien, vous décarbonez, mais pas à côté de chez moi, quoi. Et c'est vrai que je pense qu'il faut raisonner effectivement en termes de filière. Simplifier administrativement, moi, je trouve ça, ça va nous être très très utile, et ensuite il faut aussi pousser dans le cadre de l'industrie verte en disant c'est pas parce que vous avez une industrie à côté de chez vous que vous avez plus de problèmes, voire même vous créez de l'emploi. Et comme vous le disiez, comme tu le disais en fait au début de la conférence, il faut voir que beaucoup de territoires se sont développés avec une ou deux industries qui portaient l'ensemble des services dessus. Et ça, c'est quelque chose qu'on a eu tendance à oublier, alors qu'on voit, moi par exemple, la ville dans laquelle on est, avant qu'on arrive, donc Chalonne-sur-Loire, c'est une industrie de 300 personnes de pressage à vin qui a construit toute cette ville, quoi. Et maintenant, nous, on devient du coup le deuxième employeur de la ville. Voilà. Magnifique, et bravo au passage pour ça. Merci Clément. Une réaction, Anaïs, sur l'acceptabilité justement de l'industrie dans les territoires. L'acceptabilité, c'est un vrai sujet, on en parle tout le temps quand on est question d'industrie. Et je pense qu'il y a un enjeu qui est de démystifier ce qu'est l'industrie. C'est-à-dire que beaucoup de gens se représentent l'industrie comme finalement l'image d'Épinal, des grandes usines avec une très forte emprise foncière, qui ont des fumées, qui polluent, enfin tout ce qu'on veut. Je pense que si on faisait un test sur qu'est-ce qu'une usine pour vous, c'est à peu près ce qui ressortirait. Et montrer que l'industrie, c'est une diversité de métiers, c'est une diversité de secteurs. Je pense que chacun passe au quotidien à proximité d'un site industriel sans savoir qu'il y a une activité industrielle, parce qu'il y a beaucoup d'activités industrielles, la mécanique de précision, de l'emboutissage et autres, qui ont un bilan environnemental qui est relativement faible, qui présente un risque qui est relativement faible. Et donc, il faut montrer que, un, l'industrie, c'est pas que l'image qu'on en a. Et la deuxième chose, c'est aussi de dire, et c'est un discours de réalité à tenir aussi aux gens, c'est de dire, à un moment, il va falloir vous mettre face à vos responsabilités. Et si vous voulez continuer à consommer, vous assumez les choix, les conséquences de vos choix de consommation. Et si vous n'en voulez pas sur le territoire,
comment humainement et comment sur un point de vue humaniste vous pouvez continuer à défendre que ce soit produit ailleurs. Si ça n'est pas possible de le faire sur le territoire français, si on ne sait pas améliorer les conditions de production, il y a un moment il faudra songer à arrêter certaines importations qui ne sont pas compatibles avec nos objectifs à nous, parce que nos objectifs à nous, ce sont aussi les objectifs du reste de l'humanité. Très très clair et très important, parce que du coup ça nous fait un lien aussi avec la façon de consommer, la circularité et la cohérence entre nos objectifs verts. C'est un drone qui filme, qui prend des photos. Hein. Soyez rassurés, tout va bien. Très très bien. Alors moi, en me promenant dans un petit peu tout de même dans le texte, j'ai vu, Guillaume, une procédure exceptionnelle pour les projets d'intérêt national majeur. C'est bruyant, hein. Mais on s'améliore, ça, on s'améliore. Ça perturbe. Non, mais c'est intéressant. Donc, procédure, voilà. Je vous laisse en dire un mot. Donc, et surtout comment ça marche, comment on peut postuler, comment ça fonctionne. Alors, on est en train d'ajuster justement le comment précisément avec nos collègues sénateurs, ce qu'ils font qu'on s'entende sur la procédure. Mais à ce stade, ce qu'on a imaginé, c'est que quand vous avez un projet qui est d'intérêt national et que le préfet, l'État a considéré qu'il s'agissait d'une industrie qui était fondamentale pour la décarbonation, pour la nation, pour l'approvisionnement, à ce moment-là, il a ce précieux sésame d'intérêt national majeur qui lui permet d'aller beaucoup plus vite dans la procédure et d'avoir une accélération significative des procédures, avec une procédure globalisante pour l'usine, mais aussi les réseaux de raccordement, les infrastructures parallèles. C'est notamment le cas pour les gigafactories. C'est-à-dire quand on veut installer une gigafactory dans un endroit, il n'y a pas que les murs de l'usine, il y a tout ce qui est autour, le raccordement, le réseau, les canalisations qui vont avec. Donc, c'est une procédure qui est très englobante et qui permet sur de gros sites, sur de gros projets, d'avoir une procédure accélérée encore plus premium qui permet d'aller plus vite pour développer ces industries-là sur le territoire. Voilà, c'est un peu ça le principe. Et après, qui on met autour de la table pour déterminer ce qui est structurant nationalement ? Est-ce que c'est que l'État ? Est-ce que c'est aussi les collectivités ? Qui précisément dans les collectivités ? C'est des discussions qu'on a actuellement avec nos collègues sénateurs. Et on espère aboutir d'ici lundi 20h. Et la prochaine fois, je vous dirai précisément la procédure pas à pas. Voilà. D'accord, donc c'est en projet. Et une question, du coup, est-ce qu'un projet comme celui que nous décrivait Clément, dans lequel on n'a pas un gros projet industriel, sur lequel on va dire à cette usine, dans cette région, avec ce territoire, c'est un projet majeur, mais en fait, c'est une myriade de petites usines propres, vertes, qu'on voit parfois même pas de l'extérieur, qui sont partout sur le territoire, mais ensemble, ça fait quelque chose de gigantesque. Est-ce que ça peut être un projet d'intérêt national majeur ? Aujourd'hui, on est plutôt sur une même unité foncière, c'est-à-dire sur un territoire, plusieurs dizaines d'hectares, où on peut mettre ce grand ensemble en fait, dans la procédure. En revanche, c'est compliqué aujourd'hui d'avoir une procédure englobante pour plusieurs sites qui seraient pour l'un à Lille, l'autre à Marseille, le troisième à Toulouse, et se dire on met tout ça dans un gros ensemble et on accélère. Donc on essaye de trouver des moyens d'accélération, mais on ne peut pas faire non plus n'importe quoi. Et il faut aussi réussir à travailler en bonne intelligence avec les élus locaux. Le fait de prendre un projet qui aurait 10 usines dans 10 territoires différents, avec 10 mairies différentes, 10 départements différents, 10 agglos différentes, etc., ça peut apporter de la complexité. Donc on essaye de faire en sorte que de la bonne idée de la simplification ne naisse pas tout d'un coup une sorte de gouvernance un peu folle où vous auriez 10 collectivités différentes et 10 territoires différents qui sont concernés. Donc c'est un peu les étapes de réflexion qu'on a actuellement, c'est vraiment faire quelque chose de simple et pas complexifier les choses. Voilà, mais simple, localement, et en oui, restant local. Sur en de grosses local. Unités, hein, c'est-à-dire que le but n'est pas de se dire on le fait à un hectare, on le fait sur plusieurs dizaines d'hectares, sur des projets qui sont plutôt englobants. D'accord. Bon, ben on pose du coup la question de, lorsqu'on a un projet qui est porté par une entreprise, mais qui est multi-usine, parce que ça va se reproduire, et en fait, on a beaucoup d'initiatives, on le voit dans des nouvelles entreprises, dans la micro-automobile, ou on va dire des automobiles beaucoup plus légères, sur lesquelles on va avoir des modèles aussi d'usines qui changent. Et en fait, toute l'industrie 4.0, elle permet, comme elle réduit énormément la charge mentale, on n'a plus besoin de faire des postes de une minute. Et donc, on peut avoir des petites usines avec des postes sur lesquels les gens travaillent ou un travail très noble, puisqu'il est sur une heure, par exemple, d'activité ou plus sur un cycle. Et ça peut permettre de faire des usines beaucoup plus petites. Donc, on va voir probablement pousser beaucoup de projets qui seront plutôt multilocaux. Donc, ça peut être aussi un prochain volet à la discussion. Une réaction peut-être côté Clément sur le côté... Donc, territorial, la complexité du lien avec chaque territoire
et peut-être aussi l'intérêt d'être accompagné dans les territoires. Virginie l'a très bien souligné, effectivement on a cette particularité en France, et vous le disiez, c'était peut-être aussi dans les autres pays, d'avoir vraiment énormément d'acteurs dont c'est quasi un métier à part pour essayer de trouver un terrain et essayer de parler à tous les acteurs, parce que moi si je prends pour mon projet, je pense qu'on parle entre 12 et 15 acteurs différents pour juste l'installation sur un site. Et pour peu que la communauté de communes soit de droite et puis le maire de gauche, généralement on a des petits problèmes. L'idée en fait, nous, qu'on a par rapport à ça, c'est effectivement, en industrie, on n'a pas le choix que d'être très ancré dans son territoire. Donc évidemment, bah, faire bosser les gens du territoire, ça c'est certain. Mais surtout, nous, on consulte très tôt les élus. Notamment bah, pour la recherche de foncier, mais aussi quand on a trouvé le foncier, on demande voilà, leur avis, comment on voulait faire le truc. Et c'est vrai que le meilleur moyen de ne pas se faire bloquer, c'est vraiment de prendre en fait, les élus dès le départ dans un projet. Et donc, et les élus, et pas que les élus, hein, la DREAL, la DDT, etc. Pour qu'eux puissent donner leur avis, ils se sentent concernés par ce qu'on va mettre en place. Et généralement, leur avis et leurs modifications sont bonnes. Et donc, ensuite, on a beaucoup plus de soutien pour faire passer le projet, et notamment aussi quand il s'agit de le faire passer auprès de la population. Ok, merci Clément. Au niveau des financements, là, on a parlé de mettre à disposition du financement qui est d'origine publique. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on est une start-up industrielle, le financement, lui, il est assez difficile d'accès, même quand le projet est bon? Et là, je parle plutôt des fonds propres. Pas la dette, hein, vraiment les fonds propres. Ouais. Le financement, effectivement, on s'aperçoit d'un ralentissement un peu du financement sur la start-up d'une manière générale. Et autant l'industrie a été plutôt épargnée, parce qu'en fait, on est plus long terme, et je pense qu'on est vraiment aujourd'hui dans la mouvance qui est de dire, bon, c'est vrai que la tech, vraiment le numérique diminue un peu, mais l'industrie, on sait que voilà, il y a beaucoup d'investisseurs qui pensent que c'est la chose de demain, je le pense aussi, et que ce que l'industrie fait, elle peut aussi le défaire, c'est-à-dire la carbonation qu'a provoqué l'industrie, elle est aussi capable de la défaire parce que c'est elle qui a le plus grand impact, donc elle peut avoir l'impact positif comme négatif. Donc pour ça qu'il y a beaucoup de fonds en fait green tech dédiés qui sont montés, et des fonds industriels qui vont parfaitement avec la mouvance aussi de ce que fait la BPI sur Première Usine, sur tous ces dispositifs dont on a eu la chance de bénéficier. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même une difficulté aujourd'hui, particulièrement dans une situation qui est un peu tendue maintenant, qui a un peu changé, sur les premiers tickets, sur l'amorçage, où là, les 500 premiers 1000 euros, le premier million est difficile à trouver. Et du coup, je pense qu'on perd des bonnes idées juste parce qu'on n'arrive pas à faire la première levée de fonds. Voilà, et là, c'est compliqué, parce que c'est un petit peu du capital risque. D'ailleurs, Anaïs, est-ce que puisque tu travailles sur des politiques publiques et tu fais un peu ce prisme-là, est-ce qu'il y a une forme de risque dans le fait d'avoir du capital public qui va vers, en partie, des projets industriels de ce type-là? Est-ce qu'il y a un risque qu'on voit plus de projets de qualité moindre? Et auquel cas, est-ce qu'on peut envisager est-ce qu'il y a des... D'ailleurs, ce sera une question après pour Guillaume. Des structures qui vont gérer ça et qui vont garantir que ces fonds-là seront bien placés, bien investis, une fois qu'on a un peu dérisqué. Il y a plein de questions dans une question. Je pense que l'un des enjeux, et c'est un des enjeux clés pour France 2030, c'est la mobilisation des capitaux privés. C'est-à-dire que comment on s'assure que les 54 milliards, je pourrais prendre n'importe quel autre plan public, mobilisent au moins autant, voire beaucoup plus d'argent privé. Et là, on peut se rendre compte... Alors, des projets médiocres, il y en a toujours eu, il y en aura peut-être plus, mais c'est aussi aux investisseurs de faire leur boulot de tri des dossiers. La question, c'est d'avoir des dossiers qui sont quand même matures et de qualité qui arrivent. Et ce qui ressort quand même, c'est qu'il y a beaucoup de projets et que les projets de qualité, ben justement, il y a aussi énormément de gens qui se battent dessus. Et derrière ça, c'est quand je parle de mobilisation de capitaux privés, donc c'est avoir des acteurs qui viennent à toutes les étapes de la vie des entreprises. Donc on parlait de l'amorçage, on se rend compte qu'il y a quand même des difficultés à trouver encore des fonds, notamment aussi pour des projets qui nécessitent des investissements sur le temps très long. Alors on pense au nucléaire, mais il y a plein d'autres choses dans les énergies renouvelables qui nécessitent plusieurs années de recherche avant d'arriver à une solution qu'on peut implémenter sur le marché. Et donc c'est aussi des questions de financement pour les entreprises en difficulté. C'est aussi un peu un inconnu. On a aujourd'hui peu de fonds spécialisés dans la restructuration en France. Et comment est-ce qu'on a des acteurs qui mobilisent, notamment ceux qui sont les gestionnaires de l'épargne des Français et qui gèrent les quelques milliards existants, comment on s'assure qu'ils vont orienter cette épargne vers des supports, donc vers des fonds qui, eux,
vont alimenter l'industrie. Et on se rend compte que là, il y a encore une timidité des acteurs, que ce soit les assureurs, que ce soit certains spécialistes de collecte d'épargne qui restent timides sur l'industrie parce qu'ils ont une vision sur le TRI qui est sûrement pas la bonne, parce qu'ils ont des questions de durée d'investissement qui sont peut-être un peu courtes. Et enfin, sur la question des comment est-ce qu'on contrôle, c'est toujours la question du contrôle de l'efficacité des politiques publiques. Et ça, ça va être un des points à mettre sûrement en place, que ce soit sur la loi industrie verte ou sur d'autres choses. Comment on s'assure qu'il y a une efficience dans la dépense publique et qui ne se mesure pas toujours en termes de création d'emplois. Je pense qu'il y a aussi d'autres choses qu'il faut regarder que l'unique prisme de la création d'emplois. En tout cas, la question du financement, elle est avec la question de la demande. Deux sujets clés dans la réindustrialisation. Merci Anaïs. Ça fait une bonne transition, Guillaume. Alors, une réaction, si vous voulez, à ça. En gros, est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont prévues pour dire comment tout ça va être géré? Et puis, après, on peut faire le lien avec l'emploi. On peut parler de l'emploi et de la formation juste après. Non, mais Anaïs a raison de souligner le fait que parfois, on a de la timidité côté investisseur en France sur des projets d'industrie verte, mais même sur des projets industriels en général. Et que les tickets sont d'ailleurs plus réduits que dans d'autres pays. D'où le fait que certains entrepreneurs industriels se posent la question parfois d'aller ailleurs parce qu'ils peuvent parfois bénéficier de tickets beaucoup plus importants et d'investisseurs qui y vont sans trop hésiter. Donc c'est vrai qu'il faut débloquer ça. Et c'est culturel, hein, c'est pas que législatif, mais il faut réussir à débloquer ça. Après, il faut aussi mobiliser l'épargne des Français. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on essaye de mettre en place des livrets, par exemple, qui permettent plutôt que de faire il y a le livret A, il est toujours là, mais en complément du livret A, en complément des produits bancaires et d'épargne qui vous ont proposé, il faut généralement associer les Français et notamment associer les jeunes, les embarquer dans ce mouvement d'industrialisation verte du territoire. D'où l'idée d'avoir des livrets qui sont un peu plus spécialisés, qui ont une connotation verte, environnementale, décarbonée, d'adaptation au changement climatique, qui permettent de mobiliser des fonds, de sensibiliser largement la population, d'embarquer les jeunes dans ce mouvement-là, pour débloquer les choses. C'est un peu le sens du troisième pilier sur lequel on travaille avec le projet de loi Industrie verte, mobiliser l'épargne des Français, notamment des jeunes, vers l'industrie verte. On y travaille. Merci Guillaume. Et du coup, ça amène une autre question sur le fait de sensibiliser, d'amener la jeunesse et tout le monde, qui est plutôt sur l'imaginaire industriel qui est cher au cœur de Anaïs. Est-ce que tu veux dire un mot là-dessus? Alors, oui, je vous conseille de venir tous à 17h20 dans la bulle French Fab parce qu'on va en discuter justement. Mais en dehors de cette page de pub, il y a un vrai enjeu. En fait, derrière l'imaginaire, c'est la question de comment recréer le couple industrie-société. L'industrie, elle a été un secteur vraiment clé dans l'essor de l'Occident, de tous les pays occidentaux. Elle a structuré notre pensée, ce rôle clé. Et avec la désindustrialisation, on voit qu'on a déconstruit ce rôle avec la société, qu'on a finalement d'un côté parfois les industriels et ensuite la société qui regarde un peu en chien de faïence l'industrie. Donc c'est comment on réamène aussi les citoyens à se ressaisir du débat de l'industrie, parce que c'est un sujet qui les concerne tous pour la simple et bonne raison, et je ne vais pas m'étendre plus surtout sur des questions, mais c'est que l'industrie, il faut la voir, on peut lui trouver beaucoup de défauts, on peut la critiquer, mais elle est un des seuls secteurs qui peut nous donner les moyens d'avoir les moyens de choisir ce qu'on veut faire. C'est-à-dire par la création d'emplois, mais surtout par la création de valeur sur le territoire, on se donne les moyens d'assurer la soutenabilité de notre modèle. Et donc de choisir ce qu'on construit et de sortir d'un certain nombre de dépendances. Merci Anaïs. Avant de passer aux questions-réponses et de céder mon micro à Thomas qui viendra parmi vous, un tout petit mot de fin en quelques secondes chacun sur la fierté. Anaïs, je te laisse dire un mot en gros. Est-ce qu'il y a une chose quand même dont on est particulièrement fier aujourd'hui sur le prisme de l'industrie verte et éventuellement une fierté pour demain? Ah, d'accord. Une chose dont on peut être fier, je pense qu'on peut être fier d'avoir remis l'industrie au cœur du débat public et que c'est un sujet qui va être de plus en plus décloisonné et ne pas concerner seulement des experts, des industriels et les politiques qui s'y intéressent. Et une fierté pour demain, mais c'est une fierté quand on aura eu un pays qui se sera mis en mouvement pour son industrie et qu'on aura vraiment gagné la bataille de la réindustrialisation, parce qu'on en est aux prémices, ça reste un mouvement fragile et on a vraiment besoin que tout le monde se mobilise. C'est les citoyens, ce sont les acteurs du financement, ce sont les acteurs publics, ce sont les industriels eux-mêmes. Sans mobilisation collective, il faut se dire que la réindustrialisation restera un vœu pieux. Clément,
Merci. C'est chiant parce que c'est ce que je voulais dire, ce que tu as dit, donc je vais trouver autre chose. Non, en fait, moi, ce que je suis fier, c'est effectivement de. Quand on crée une start-up, moi, c'est mon premier job, en fait. J'ai créé ma start-up pendant mes études. J'ai que 28 ans aujourd'hui et tout le monde m'a dit, ah ouais, commencer par l'industrie, c'est pas le plus facile, c'est le plus long. Tu veux pas faire du numérique, tu veux pas faire plutôt ça. Et moi, là où je suis fier, c'est d'avoir quand même poussé le truc au bout. Donc, oui, effectivement, c'est pas rapide. L'industrialisation, ça prend du temps. Mais par contre, on voit vraiment que ça intéresse de plus en plus et que c'est comme ça qu'on fait changer les choses et des impacts qui sont vraiment chiffrés. Et non pas des impacts qui sont imaginés, quoi. Donc c'est ça que nous on cherche et c'est ça dont je suis fier. Merci Clément. Virginie. Moi j'ai deux fiertés. La première fierté, c'est de voir des nouvelles générations d'entrepreneurs comme Clément qui ont des valeurs extrêmement fortes, qui se lancent dans de nouvelles aventures industrielles qu'on n'avait jamais écrites. Je trouve ça admirable. Vraiment de voir ces industries sortir de terre. Il y a aussi de nouvelles générations d'élus qui se saisissent du sujet de l'industrie de manière très terrain, très concrète, avec beaucoup de passion. Et moi, je suis fière de les voir échanger et dialoguer comme aujourd'hui. Et puis, à titre personnel, je suis aussi très fière de retourner près de Clermont, là où j'ai commencé à travailler dans l'industrie, dans la métallurgie, et de voir les usines que j'ai connues dans l'image d'Épinal que Anaïs décrivait, se transformer super vite, devenir efficiente sur l'utilisation de l'eau par exemple, puisqu'on travaille l'aluminium avec de l'eau, et ça me rend fière et optimiste. Merci. Guillaume ? Oui, moi je dirais que je suis en réalité assez optimiste et assez positif sur le fait que les Français sont beaucoup plus attachés à l'industrie en fait que ce qu'on le pense. Y compris sur des secteurs qui sont parfois décriés dans l'actualité, qu'on peut parfois clouer au pilori dans certaines discussions politiques, mais qui continuent à faire rêver, à mettre des étoiles dans les yeux des Français. Il y a quelques semaines, on avait un meeting aérien à Chartres. Chartres, c'est 38 000 habitants. Ce meeting aérien, on a eu 70 000 personnes qui se sont réunies à Chartres pour venir observer l'aéronautique française, l'aviation française, aller visiter les avions, aller voir les boîtes industrielles qui étaient présentes pour parler avec elles, avec des jeunes, des gamins qui allaient discuter avec les pilotes, avec les mécanos, avec les industriels, avec les fabricants et les fournisseurs qui étaient présents. 70 000 personnes, plus que la population de Chartres. Et je me suis dit, ben, c'est un secteur qui en prend plein la tête, sur lequel parfois certains disent, ben, en fait, pour décarboner, il faudrait arrêter carrément l'aérien. Et je pense que les Français, en fait, ils sont pas dupes de tout ça. En réalité, ils sont attachés à leur histoire industrielle. Ils sont attachés à ces secteurs-là qui ont fait la fierté d'un savoir-faire, de nos ouvriers, qui ont fait notre histoire. Et ils étaient présents à Chartres. Ils étaient présents aussi au Bourget, quand ce même secteur a montré tout ce qu'il faisait en termes de décarbonation sur l'avion du futur. Et je pense que voilà, on a la chance d'avoir, et c'est une vraie fierté, des industries qui sont à la pointe de la décarbonation, qui innovent tous les jours et qui font des efforts monstrueux pour émettre moins de CO2 chaque jour. Et on a des jeunes qui y sont sensibles, qui ne tombent pas dans le panneau de la décroissance ou de mauvaises idées qui n'apportent aucune solution. Et je trouve ça plutôt optimiste. Et moi, j'ai envie d'y croire pour la suite. Et j'ai envie de croire que la France restera très longtemps attachée à sa fierté industrielle. Et bien, je pense qu'on y croit tous. Et en effet, c'est une vraie fierté de voir tout le pays mobilisé tous ensemble pour l'industrie. On va passer aux questions-réponses. Il nous reste 7 minutes. Je passe le micro. Déjà, on a quelques questions en ligne. La première, Guillaume, je pense qu'elle vous a adressé. Au niveau des procédures administratives, est-ce qu'elles sont automatiques ou est-ce qu'il faut justifier qu'on ait un acteur de l'industrie verte ? Alors, si vous voulez créer une industrie sur le territoire, quelle qu'elle soit, vous devez faire des démarches. Il faut aller voir la première étape pour moi, c'est d'aller voir la collectivité locale qui vous accueille, parce que souvent vous avez la mairie ou le PCI qui vous accompagne et qui va vous donner la meilleure procédure pour vous. Donc, si ça se trouve, la procédure standard sera parfaitement adaptée à votre industrie. Si ça se trouve, la collectivité ou l'État vous orientera vers la nouvelle procédure industrie verte qui est plus englobante et qui peut permettre des parallélisations. C'est vraiment du cas par cas, mais il faut que vous alliez voir, je ne sais pas qui pose la question, mais si c'est un industriel ou quelqu'un qui a l'idée de créer une usine ou de faire une extension d'usine, il faut avoir cet interlocuteur-là qui, sur le terrain, est soit côté État, l'ADREAL, le préfet, la préfecture, soit côté collectivité, votre maire ou votre PCI qui vous orientera vers la meilleure procédure pour aller le plus vite possible, l'objectif étant d'accélérer. Et notamment, la question était sur les process de simplification. Est-ce qu'ils seront accessibles à tous, finalement? Oui. Est-ce qu'il faut... Il y a beaucoup de processus de simplification qu'on a donné accès à toutes les industries, quelles qu'elles soient. Et puis, il y a l'intérêt national majeur qui sera réservé à certaines industries, pas à toutes.
et qui là permettra des mesures encore supplémentaires d'accélération. Mais toutes auront accès à un minimum d'accélération que nous avons mis en place dans la loi pour toutes les industries, quelles qu'elles soient. J'en prends une deuxième en ligne. Cette fois-ci, plutôt sur, je pense, sur l'artificialisation des sols. L'industrie verte n'est-elle pas celle qui utilise le potentiel des friches industrielles plutôt que celle qui grignote du foncier ? Alors, je pense en effet que l'artificialisation des sols, ou sa réduction, impacte notre imaginaire de la façon dont on construit l'usine, donc une usine de plein pied sur un terrain vague ou sur un terrain agricole. En effet, il y a plein d'autres options maintenant d'implantation d'une usine, dont l'implantation sur des bâtiments qui existent déjà, qui n'étaient pas destinés à de l'industrie, mais qu'on transforme, et l'implantation sur des friches industrielles, sujet qui est également couvert d'ailleurs dans la loi Industrie verte. S'implanter sur une friche, c'est une bonne idée. En tout cas, c'est bien sûr une modalité d'implantation qui est verte, qui s'inscrit dans les transitions. C'est aussi un projet qui est moins défini, on l'a moins éprouvé. Donc on a besoin d'être bien accompagné par l'ensemble des acteurs des territoires. Certaines friches sont polluées, pas toutes. C'est vraiment du cas par cas. Quand vous avez un projet, si c'est un industriel qui pose la question, si vous avez un projet d'implantation, regardez bien sûr s'il y a des friches industrielles sur le territoire que vous envisagez. Vous pouvez en parler aux collectivités, en particulier aux EPCI ou intercommunalités qui recensent leurs friches, leur demander de l'accompagnement pour d'éventuelles procédures ou process de dépollution, sachant qu'il y a maintenant également des financements associés à l'implantation sur des friches industrielles, soit de la part de l'État et parfois de la part des collectivités. Donc c'est une bonne modalité d'implantation et il faut être bien entouré, bien accompagné pour ça. Oui, moi, je voulais rebondir, en fait, sur ce qui a été dit précédemment. On parle beaucoup, là, d'implantation, on parle beaucoup de start-up industrielles. Comme l'a justement fait remarquer Anaïs, on a aussi des entreprises qui ont besoin de se transformer, qui, pour certaines, sont en difficulté, mais qui ont une volonté, qui ont des idées pour transformer leur activité. Et là, la recherche de financement, elle est très compliquée. On a fait des essais de financement auprès de la BPI, on est dans la sous-traitance automobile, on fait de l'emboutissage. Ça m'a fait plaisir d'entendre qu'on était considéré quand même comme une activité verte, mais c'est vrai qu'effectivement ça demande des investissements lourds et quand l'entreprise est encore un peu fragile, on ne nous suit pas en fait. Et là il y a une vraie difficulté aussi sur ces transformations-là. Alors là, pour vous, il y aura quelques bonnes nouvelles qui arrivent. Je vous invite quand même à faire déjà le pivot. Alors nous, chez BPI, on a des programmes pivots. Donc l'entreprise peut rentrer dans un cadre comme celui-là. Et puis après, il y a la plateforme française de l'automobile, la PFA, qui a travaillé justement avec des grands cabinets pour identifier des opportunités, des relais de croissance et qui sont très actuels et qui sont liés aux batteries. Parce qu'en fait, quand on fait de l'emboutissage, on sait gérer ces questions-là. Et en fait, on passe d'une activité historiquement très à risque. L'emboutissage était en rouge partout il y a quelques temps. Et aujourd'hui, potentiellement, c'est un marché d'avenir parce qu'en fait, c'est un métier qui permet de faire des tas de choses dans l'électrification, les batteries, etc. Ça, je sais pas, il y a des choses qui vont arriver, mais le vent va dans le bon sens pour l'emboutissage. Je laisse peut-être une autre réaction, si vous voulez. En fait, ce que vous dites, c'est un vrai sujet. Et je pense que parfois, quand on pense réindustrialisation, on focalise beaucoup, en effet, l'attention à la fois sur les start-up industrielles, sur les investissements étrangers et beaucoup moins sur les industries historiques. C'est-à-dire qu'on n'aura pas de réindustrialisation si les industries historiques n'arrivent pas à se convertir et périclitent. Et je n'ai pas apporté de réponse parce que je sais que c'est bien, il va y avoir une diversité de marché qui va s'ouvrir et qu'on a un outil qui fait de la moyenne de la grande série, qu'on se retrouve à faire de la petite série, on est condamné à changer complètement son outil industriel. Mais il y a peut-être un levier à creuser pour avoir pas travaillé avec des entreprises dans l'emboutissage, mais plutôt des forges. Ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a quand même beaucoup de problématiques communes à la fois sur ces enjeux de diversification de marché, d'investissement, sur des problématiques de recrutement. Et il y a un levier qui me semble assez inexploré par les entreprises, c'est le levier de la coopération, c'est-à-dire que vous êtes confronté à des enjeux communs et peut-être travailler plus ensemble pour mutualiser des investissements, des choses comme ça. Et ça demande à changer complètement de prisme parce que en fait, c'est comme aller travailler avec son concurrent et naturellement, on ne le fait pas. Et pour autant, c'est un des leviers
pas le seul, mais un des leviers pour trouver un nouveau souffle, et notamment aussi pour aller chercher de nouveaux marchés. Ça peut être mutualiser des commerciaux, parce que si vous êtes un sous-traitant, vous n'avez pas forcément de commerciaux, vous n'avez pas forcément d'équipe de R&D. Donc il y a des choses qui peuvent être mutualisées pour aller chercher ce second souffle en attendant d'avoir peut-être d'autres dispositifs. Moi, j'aimerais juste réagir juste sur un petit point. C'est, il ne faut pas faire d'opposition. Effectivement, on a beaucoup parlé d'innovation, de start-up industrielle. Il ne faut pas faire d'opposition entre start-up industrielle et industrie, parce que nous, on a beaucoup de sous-traitants qui sont des boîtes industrielles installées. Et pareil, nous, on est clients de boîtes industrielles installées. Donc, en fait, c'est un écosystème. Les financements que nous, on tire fort grâce à la start-up industrielle, elles permettent aussi de se redistribuer dans l'économie des start-up, des boîtes classiques, plus classiques. Complètement. Et donc, c'est complémentaire, vous avez exactement tout dit. On apprend beaucoup de vous aussi. On arrive à la fin du temps réglementaire. Merci à nos quatre invités, merci à vous tous. Il me reste juste à vous confier, moi, ce qui serait ma plus grande fierté. C'est vraiment, comme j'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, c'est vraiment qu'on soit tous ensemble pour remettre tout ce qu'on sait faire de mieux au service du défi climatique et puis du développement humain. Et ce sera servir l'avenir. Merci à tous.